Là, typiquement, il vient de faire une erreur parce que si je joue en C3 par exemple et qu'il fait un Atari, par exemple B3, je descends, j'aurai 3 libertés contre 2 ici. Je vous laisse vérifier par vous-même. Et s'il fait Atari dans l'autre sens, sur C2, je vais ici et je capture ces deux pierres. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui contre un joueur 16Q. On a noir et il attaque directement, d'accord. Donc on rentre dans le vif du jeu direct. On va enfermer parce que c'est toujours agréable d'enfermer l'adversaire. Ça se transformera presque en Joseki de Sansan. Donc il joue Ané, d'accord. On va. Le coup le plus simple, ça serait sûrement d'aller en P5 parce que ça nous permet de prendre l'influence tout en laissant un point de coupure pour lui. Donc il aurait sûrement envie de protéger au bout d'un moment. Si on fait Atari directement et qu'il répond et qu'on va en P5, il nous reste 2 points de coupe alors que lui il est tout connecté. On va juste connecter. S'il coupe maintenant, il y a un chichot, un escalier. Donc il ne peut pas couper pour le moment. L'intro est rapide mais en général il faut jouer rapidement sur Fox sinon l'adversaire s'en va. Ici, normalement, je pourrais sûrement capturer en P2. Il ira en Q3 et je capturerai en N2. Mais on va plutôt prendre l'influence. Je vais essayer de suivre le conseil d'un des viewers qui me disait d'expliquer quel coup je penserais faire notamment. Mais de pas forcément le jouer, d'essayer de jouer de manière un peu plus pédagogique. Donc je suis pas forcément très fort dans ça, mais je vais essayer de le faire au mieux. Pour essayer de rendre la partie un peu plus intéressante et que ce soit pas qu'à sens unique, par exemple, comme dans la cinquième partie, la précédente. Ici, on va juste continuer. Souvent, imaginons blanc joue en M2. Si vous avez un adversaire qui pousse en deuxième ligne comme ça et que vous jouez en troisième ligne, à chaque fois, n'oubliez pas de dire merci parce qu'à chaque fois, il fait que un point et vous, vous faites un mur, une très grande force en fait. L'influence est vraiment énorme. Donc là, pareil, je vais continuer. Pourquoi? Parce que s'il va en P6 et que je défends, je peux faire double Ané à la tête de deux pierres. Et en fait, je vais me recroqueviller. Ça va être très douloureux. Donc on continue. Il prend un gros coin, mais on prend une grosse influence. On continue pour la même raison. Il continue. Alors là, je ne sais pas si je dois aller en P8. Ou si on fait Ané par exemple. Parce que j'ai l'impression que ça va faire comme dans une des autres parties où je continue et continue tout le long. Mais ça n'aurait pas grand intérêt de montrer ça forcément. Donc on va faire Ané et voir ce qui se passe quand il coupe. Est-ce que je pense qu'il va couper? Attention, il a une faiblesse en Q3 où on pourrait descendre ici. On aurait 1, 2, 3, 4 libertés. Et dès que je vais ici, si on imagine pierre là, il y a 1, 2, 3, 4. Donc attention à ça pour lui. Je pense qu'il coupe. Mais ça va, on a un peu de force. On peut accepter un combat. Donc il coupe. Il faut regarder quel est le groupe à aider le plus. Donc il y a ce groupe-là. Ces 4 pierres. Combien de libertés ont-elles? 1, 2, 3, 4. D'accord. En plus, on voit que si blanc va en O4, on peut faire la technique du guetta, la prise en filet, en N5. Si blanc fuit, on peut le capturer. Donc a priori ici c'est à peu près safe. Cette pierre-là, qui est isolée, qui est donc un groupe d'une seule pierre, est déconnectée de 13. En diagonale, c'est pas connecté. Et elle a une, deux libertés. En plus, elle est vers le bord, donc elle a pas beaucoup de possibilités. A priori, c'est avec ça qu'il faut jouer. On va se diriger vers là où il y a plus d'espace de ce côté. En jouant en hobby, une connexion solide. Donc j'en profite pour redire encore une fois, si vous avez la moindre question sur ce que je dis en commentaire, vous le posez, j'essaierai de répondre au mieux. Ou sinon, il y a d'autres personnes qui répondront peut-être même. Ça devient de plus en plus actif dans les commentaires, c'est assez chouette. C'est assez chouette. D'accord, il va de ce côté. Donc effectivement, ici, il ne peut pas couper. Par contre, il pourrait venir en N5 pour m'obliger à connecter et ensuite jouer un coup, une belle forme. Et moi, j'aurais juste un pâté. Donc on va juste faire le coup de forme. Plus, on voit déjà un œil en O4 par exemple. J'essaie de jouer simple du coup. Et ici, il défend son territoire.
Il essaye de l'agrandir un petit peu. C'est un bon coup plus tard dans la partie. Parce que là, Noir peut tout simplement venir en 21 en R9. Ce qui menace de capturer cette pierre, s'il n'avait pas répondu, je pouvais aller en R7. Il descend en S8. Si je veux, je peux aller en S9. Ce qui menace toujours d'aller capturer en R7, hein, il ne peut pas fuir. Ça capturerait les pierres. Donc il doit répondre. Et ensuite, on peut développer. Donc c'est pas forcément très bon. Pour le moment, je m'en fiche un peu. Je vais juste... Je vais juste sortir. Hop. On s'en va. Je préfère garder les menaces en suspens. Q3, on sait pas trop ce qui se passe. Il joue ici en M7. D'accord. Il aide ses deux pierres, c'est très bien. Nous, ce qu'on peut faire, c'est déjà se développer un peu de ce côté. On va descendre là, ce qui normalement est sainteté, ça garderait l'initiative, parce qu'en allant à M2, ça réveille justement P2, ça fera Atari, il devrait répondre en Q3, mais dans ce cas-là, on a enlevé une des trois libertés de ces deux pierres, et on pourrait capturer. Donc il répond, c'est très bien. Il n'a pas l'air mauvais du tout, sur certains réflexes. Là, ici, 22, normalement, on le positionne en R7, mais ça va, à 16 Q, c'est un petit détail, on va dire. Et on va jouer en face de cette force. Donc on va jouer par ici. S'il y vient directement pour empêcher de faire trop de points par là, ça sera assez dangereux. Parce qu'on peut se dire quand même que là il a fait un commis, un kema, pardon. Un kema, je peux aller en N7 et couper. Un kema c'est un coup d'attaque, donc c'est moins solide, ça se coupe. Il va prendre un coin, ok. Il joue en 3-3, c'est assez petit. Mais il se dit, au moins, je suis sûr d'avoir le coin, ce qui est vrai. Et comme il a pas mal de points ici, il se dit, ça me suffit. On vient s'emparer peut-être d'un autre coin. Potentiellement deux coins chacun. Et il aime beaucoup les coins, d'accord. Encore une fois, on va enfermer. À la différence de tout à l'heure, on est en quatrième ligne. Il vient là, d'accord. On va... On a plusieurs solutions. On peut aller en R16. Ce qui ramènerait presque à un joseki normal, il irait en P18, je m'en vais, il va ici, je m'en vais, il pousse, et il vit dans le coin. Ou alors je peux tenter d'aller en P18. Ce bord est beaucoup plus large et intéressant que ce bord-là. Ici, il y a 5 libertés espaces, alors que de ce côté, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de libres. Donc il y a beaucoup plus de potentiel de points, de territoire, de ce côté. C'est pour ça que j'ai été en 33. Et en plus, ça attaque sa base de vie. Quand il fuit, ça ne mettra pas en danger mon groupe, parce que ça induit mon coup en Q15. Il continue. Je continue. Et on fait un beau mur. Il va ici. Si on va en R13, c'est très agressif. Et on va aller ici, simple, voir comment il réagit. Il continue. On fait notre gueule de tigre. Et là, il doit rajouter un coup. D'accord. Très bien. On a un mur. Il faut l'exploiter. Donc, les attaques les plus communes sur un Sansan, c'est de jouer Oshi, ce qui est l'inverse du coup quand on joue un Oshi ou on attaque avec un Sansan. Et ça reviendrait à ce qui est près du territoire. Et nous, de l'influence. Ça nous va parce qu'on a de l'influence partout. Une autre manière d'approcher, ça aurait été de faire F17 tout simplement. Il développe et je développe. Très simple. Et ici, ce qui m'intéresse dans l'influence, c'est déjà d'avoir du potentiel, donc des pas mal de points. Et en plus, ces trois pierres, finalement, sont un peu oubliées pour le moment. Donc, pour les attaquer, il faut de la force. Et en les attaquant, on développera du territoire. Elles vont sûrement vivre, hein. C'est très difficile à tuer ça. Mais on pourra, en les poussant, développer par ici ou par là. On verra ce qui se passe par la suite. On continue. Il continue également. Très bien. Et là, j'hésite. Est-ce que je continue même en G16? Ce qui lui laisse le choix, soit il va en H18 pour prendre des points, soit il va en B15 pour prendre des points. Donc on lui laisse clairement le choix. Ou alors, on descend tout de suite en C16. Il nous fait le année certes. Mais on va en G15 et on développe quand même vers notre pierre. Ça peut être intéressant.
Pour l'instant, il est bien dans la partie, hein. Il a beaucoup de points. On n'a pas joué très agressif, on va dire. On va venir par là. D'abord faire Atari, puis reculer. Ce qui lui laisse une menace, il a pas trop envie forcément de continuer. Et là, on peut faire Atari de ce côté. Soit il capture, soit il prend, il va ici. Et on peut l'inviter à venir en jouant Kema, en J13. Ou alors essayer de concrétiser un peu plus sur des points en jouant en D9. On va faire ça par exemple. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de points dans cette partie. Il joue assez bien. Il faut le dire. Très bien, il joue là. Ce qui nous invite à rajouter un coup. On peut jouer par là ou par ici. On va faire le sort de Shimari, une fermeture de coin, qui regarde dans cette direction. On enferme. Et effectivement, il commence à s'emparer de tous les coins. Mais il donne énormément de potentiel. Ah, ici la réponse c'était plus B3, je crois. Là, on peut fermer. Il faut rajouter un coup. Il rajoute comme ça. Là, typiquement, il vient de faire une erreur, parce que si je joue en C3, par exemple, et qu'il fait un Atari, par exemple B3, je descends, j'aurai 3 libertés contre 2 ici. Je vous laisse vérifier par vous-même. Et s'il fait Atari dans l'autre sens, sur C2, je vais ici et je capture ces deux pierres. On va connecter en solide. J'essaie de jouer de manière pédagogique, du coup. Il va là, très bien. On va ici. On veut de la force, là il y a énormément de potentiel. Et il vient là. Encore une fois, il laisse des faiblesses en C3 ou en C2. Pour le moment, on va juste connecter. Et normalement, il va rajouter un coup. Et ça sera déjà très bien de pouvoir s'emparer du Sentai en fait. Il joue un coup de Yosei. Yosei, c'est la fin de partie, ce qui ne protège pas cette coupe. Cette coupe existe toujours. On défend notre territoire. On va fermer cette fois-ci. C'est plus important que là-bas parce que ça ferme vraiment un territoire. Et on va jouer à la limite. Donc l'entrée, elle est où? Elle semble par ici. Parce que c'est par là que les pierres blanches sont le plus solides. Ici, ici. Donc c'est vers là. Donc, soit je saute en Toby pour être à peu près solide. Soit je vais en année. Année, c'est jouer. Imaginons, on prend ces deux pierres. C'est jouer à la tête de la pierre. Comme ici, quand il a joué à la tête de mes pierres. Moi, je pars là. Et il coupe. Très bien. C'était le risque. On va faire le chichot. Il y a un chichot ici. Il est forcément favorable pour moi. Il n'y a aucune pierre blanche dans la zone. On joue ce chichot. Très bien. Est-ce qu'il y a un problème? Si je vais ici, il va là. Je pousse une deuxième fois, il va là, je vais ici, il me capture. Donc je peux pas. Très bien, donc j'ai vraiment une faiblesse. Et il m'a bien eu ici. Il est plus fort que Sescu, je pense. Là, il m'a bien eu ici. Ici, je vais perdre quelque chose, forcément. Ah, c'est vrai qu'avec mes formes, c'était pas idéal. À la place de A15, j'aurais dû aller en C14. Mais je pensais pas qu'il verrait des trucs comme ça. Mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Si je vais en C14, il va en D15. Si je le pousse encore une fois, il met en Atari. Si je réponds, il capture tout. Il n'y a pas de chicho, donc. On va pas perdre toutes les périodes non plus. Mais bon, il prend beaucoup de points. C'est assez douloureux. On va aller par ici maintenant. Isoler ces trois pierres. Mais par contre, il est en avance dans la partie, je pense. Clairement. Peut-être qu'on va avoir notre première défaite. Il prend ses pierres là par contre. Ça, c'est une erreur parce que je ne pouvais plus fuir. Donc c'est l'instinct sur peut-être qu'il a fait jouer en C15. Mais c'est un très bon instinct en tout cas. Maintenant, notre espoir pour revenir dans cette partie, c'est d'attaquer durement ces trois pierres. On voit que Noir est immensément fort autour.
blanc aurait joué un coup vers M9 ou M10 pour faire une belle forme. Donc on va y jouer nous-mêmes. Ça menace de couper. Et on va couper. On va jouer agressif ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la façon de jouer, si je devais jouer peut-être un peu moins pédagogique ou si c'était bien justement comme ça. Est-ce que c'est vrai que peut-être que j'aurais dû protéger un peu mieux ici? Est-ce que j'aurais dû faire la coupe là? Est-ce que j'aurais dû couper plutôt ici par exemple? Je sais pas. A voir, à voir. Ici on recule. Là il faut que je tue par contre. Parce que l'objectif c'est d'arriver au 5 Dan. Et de pas rester 18 Q trop longtemps, parce que il faut diversifier aussi un peu les parties. Est-ce qu'on peut bloquer? On bloque. Il va ici, tac, il coupe. On va ici, Atari. Ça a l'air d'être faisable. Ça a l'air d'être faisable tout ça. Il va couper. Et il ne coupe pas. D'accord. Donc il protège d'abord sa coupe. Donc nous-mêmes, on va jouer la forme de la table. 7 pierres en M9, plus 99, 101 et 105, ça porte le nom de la table. En fait, s'il va dedans, il y a les deux pieds ici et le socle. S'il va dedans, c'est connecté. Il ne peut pas nous capturer. N10, on va en M10. Il peut nous mettre en Atari, mais on connecte. Et s'il va en M10, on va en N10. Et on connecte. Donc c'est assez solide. Il vient ici, d'accord. Il fallait de ce côté. Ce coup-là en J8 ou le coup en L6, c'est des bonnes façons de sortir d'une menace de guetta, justement, le filet. Parce que ici, il ne peut pas nous mettre en chichot. Parce que grâce à la pierre en C7, la pierre future blanche en J7 ici serait en Atari plus tard. Donc c'est un briseur de chichot et un briseur de guetta à la fois. Et là, on voit qu'il est séparé en deux. Donc déjà, ici, il y a pas mal de points. Et ces pierres blanches, on ne sait pas trop ce qu'elles vont faire non plus. Donc, potentiellement, tout ça, c'est à noir. Il nous suffit d'être très solide. On n'a aucune raison de ne pas jouer solide. Et en vérité, je vais protéger ma coupe. Pas trop envie de m'approcher d'ici, parce qu'au bout d'un moment, il va pouvoir jouer à la fois un coup qui défendrait ses pierres, mais en même temps, qui briserait ce chichot. Parce que je n'ai toujours pas capturé, là j'ai une dette à payer un jour. Il vient là, d'accord. On va jouer ici. Et pour le coup, un autre nom de forme, c'est M3. N3, donc un nobi, en face d'un autre nobi. Ici, N5 et 121 en M5. On appelle ça la connexion bambou, parce que si l'adversaire va en M4, on va en N4, et inversement. Donc c'est 100% connecté, c'est très solide. Donc il a un œil potentiel en N7, si je vais en O7 il l'a pas. On va aller par là, ça défend à la fois mon groupe, et ça lui empêche de prendre des possibilités par là, et en même temps lui-même d'attaquer mon groupe. Donc ça a plusieurs utilités, quand un groupe vous lui trouvez plusieurs utilités, attaquer, mais en même temps se défendre, développer un territoire, vous n'êtes pas loin d'un bon coup normalement. On va... continue à défendre en jouant un coup solide par là, par exemple, c'est une gueule de tigre, 123, 125, 127, et ce qui me permet de jouer la double gueule de tigre ici. Il y en a une là et une là. Très bien. On va défendre de ce côté. Ici, il peut jouer en I6. Attention, je ne dois pas jouer l'Atari. Parce que... sinon, il joue en H7 et il y a un snap back. Donc s'il joue en I6, je dois sortir en H7. Même s'il met à l'Atari. Ah non, c'est risqué. Il vaut mieux rajouter. S'il joue en I6, je joue en H7. Il pouvait d'abord mettre l'Atari, puis me pousser vers là et provoquer un snap back quand même. On va payer notre dette tout de suite. Depuis tout à l'heure, je réfléchissais à ça. Il faut trouver le timing. Il faut capturer le plus rapidement possible ces pierres, en fait, même si on a le chichot, parce qu'un jour ou l'autre, on devra le payer. Par exemple, s'il avait eu le timing de jouer ça avant, on aurait été embêté, parce qu'on n'aurait pas pu tout faire à la fois, justement. Attaquer ces pierres et en même temps penser à nos pierres à nous. Donc là,
un des principes de base. Tu peux couper. Tu coupes. On sépare 134 de 132. C'est très important. Il coupe. Très bien. Donc on protège notre pierre. Il y a un proverbe qui dit... normalement, si noir a les quatre coins, noir a perdu. Parce qu'on suppose que blanc est meilleur, en général. Et si noir a les quatre coins, c'est que blanc a bien voulu le laisser pour prendre tout le reste. Et on dit, à l'inverse, si blanc a les quatre coins, noir a perdu quand même. Parce que ça veut dire que blanc a vraiment tout pris. Et ici, le proverbe s'applique pas trop pour le coup. On va défendre de ce côté. Alors, il reste cette zone-là. On voit clairement que cette zone-là... Ok, il préfère défendre ici, défendre sa pierre. Mais en vérité, c'était peut-être... C'était très sûrement même bien plus gros de jouer par là. Parce qu'il y a un potentiel de points pour noir. Et pour blanc, c'est plutôt détruire. Donc on va jouer jusqu'ici. Ce qui menace de glisser jusqu'en I18 et de menacer de sortir la pierre. Donc c'est assez intéressant comme coup K17. Il joue par-dessus. On protège. On menace de faire des points. Peut-être qu'il va couper. Il coupe pas. Donc ici, un autre proverbe d'ailleurs, c'est quand tu peux faire atari des deux côtés, il vaut mieux s'abstenir, parce que ça renforce souvent l'adversaire. Par exemple, en haut, on l'a pas fait au début de partie. Par contre, quand tu peux faire atari d'un seul côté, très souvent tu le fais. Pourquoi? Là, ici, je fais atari. Et ça lui provoque, avec I16, 148 et 146, un angle vide. Et c'est une des pires formes au jeu de Go. Et d'ailleurs, un double angle vide, parce qu'il y a de l'autre côté également. Ensuite, je regarde mes coupes. Si je défends celle-là, ils peuvent prendre la pierre en 143 en jouant L17. Et si je défends là, il faut couper ici, mais c'est pas très dangereux parce que c'est que du noir. Donc on est bien. Ici, il attaque ses trois pierres. On va connecter tout ça. N'hésitez pas à me dire également si le son est trop ou pas assez fort. J'ai essayé de remettre le son des pierres et de la voix. Je sais que le son de la voix peut être vite très énervante, si c'est trop fort. Donc n'hésitez pas. Ici, menace de vivre, on va d'abord jouer là, pour défendre bien notre groupe, notre forme. Il joue ici. On défend. Ici, il menace de faire un œil. Mais je ne vois pas où il pourra en faire un deuxième. Il joue par là, il menace de couper ici. Attention, donc on va tout simplement protéger. Il nous fait atari, on défend. S'il connecte sa pierre, on n'est pas obligé de connecter ici. Très bien, d'abord il fait ça, donc on fait atari. Et on va couper ici. Mais en même temps, ici, est-ce qu'on a besoin de couper? Parce que s'il va en E5, on va en D5. Et même s'il avance, on risque pas grand-chose parce qu'on est connecté jusqu'ici. Donc on a bien deux yeux dans tout ça. On a déjà un là. Donc on aura un deuxième ici, c'est sûr. Donc on va jouer par là. On joue ici. S'il menace de faire deux yeux en jouant F9... de faire un œil ici et là, on pourra rajouter H10. Ce qui rendra ce G9 un faux œil. Mais s'il va en H10, on va en F9. Donc c'est deux points mi-aï. Mi-aï, c'est des coups équivalents. On protège. Je vais vous mettre juste le dernier coup. Et il attaque. Donc il rentre dans ça. S'il va ici, on connecte. S'il va ici, on connecte. Il n'y a rien de trop dangereux normalement. Et s'il va là, est-ce qu'il y a un danger? On connecte. Il se passe pas grand chose. Donc normalement c'est bon. Il meurt un petit peu goté. On va lui montrer quand même. On vient ici. Ce qui menace de tout couper. Donc c'est assez gros. Enfin d'abord ça menace de jouer F10 pour couper. Ici ou ici. Parce que si on va direct en H9. Il aurait joué justement ce coup 170 en F10. Et c'était un snapback. Donc il va là. Il a une forme en 3. Mais on a déjà une pierre dedans. Donc la forme est morte.
Est-ce qu'il a un autre œil quelque part? Après oui, non. Il nous fait atterrir. Et il protège. Ce que je vérifie, c'est s'il joue ici, en L10. Il menace de capturer ses deux pierres, donc je dois protéger. Et s'il va en K11, on ne peut pas défendre en K12, parce qu'il va là, et il fait un autre œil en K10. Donc on serait obligé d'aller en J11, il sort, mais après il irait pas très loin. Donc ça a l'air d'aller. On va menacer de capturer ses pierres. Et ici on peut toujours couper. Je sais pas si on... j'ai pas encore décidé si on le faisait ou pas. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? On va jouer déjà ce gros coup. Parce que les Yossé, on voit. Les coups de fin de partie, le Yossé, c'est G1, N1, S13, Q19. Le point commun, c'est qu'ils sont tous sur la première ligne. Donc c'est assez facilement identifiable que J18 est un gros coup, parce qu'il est sur la deuxième ligne. Bien sûr, il y a tout le chantier ici, mais je veux pas trop toucher. J'essaie de pas trop être agressif, en fait, mais c'est pas facile. Voilà, il rajoute un coup. Il y a toujours des petites faiblesses. On va d'abord jouer ça, c'est santé. Et ouais, j'espère que j'aurai été assez clair dans mes explications. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé qu'il y avait des petites erreurs d'interprétation, de calcul. Bon, j'ai fait des erreurs, hein. Ici j'ai fait une petite erreur. Hein. Je pense qu'on va pas jouer ce genre de coup. De toute façon il protège maintenant, même s'il y a des petites faiblesses ici je pense, mais... Donc là ça c'est... J'ai aussi ces coups là, mais ils sont gotés, à la différence de... S9, G1 et I19, ceux-là sont gotés en fait. Et on continuera J19, c'est goté. Donc là, il faut d'abord jouer tous les coups santé dans un Yossé, et après chercher les coups gotés. On va jouer. Mince, je voulais cliquer en A8, mais ça change pas grand-chose. J'ai cliqué avec le clic droit. Bah non, non, j'ai dû déraper sur mon clic gauche. Ici, est-ce que j'ai vraiment un problème s'il va en A6? Je capture et finalement il y a deux yeux. Et au pire, il va là, je vais ici. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun problème. Donc on va venir là. On peut quand même se jouer ce coup, il est sympa, il nous laisse quand même revenir ici. Il va ici. Et là, on voit la grosse faiblesse, en fait, dont je parlais tout à l'heure, c'est si je vais en C11 et qu'il décide de protéger ses deux pierres. En jouant en C10, je descends en B11 et ça capture tout. On va le faire, je pense. C'est plus pour voir s'il répond bien. Quelle est la bonne défense? On va voir s'il sait faire la bonne défense. De toute façon, ça menace pas de tuer un gros pâté ou n'importe quoi, donc ça va. Il fait le mauvais coup. Donc je vous montre la séquence. Normalement, il aurait dû aller en B11, du coup. Et je capture les deux pierres et protéger. Là, pour vous montrer, pour que ce soit plus visuel... Voilà, je descends ici, et il est capturé. Et dans ce cas, je peux capturer les pierres. On voit directement, hein, il y avait un problème, il y avait un groupe, deux groupes, trois groupes. En fait, c'était en diagonale, c'est pas connecté, donc il faut faire très attention quand vos pierres sont extrêmement collées à celles de l'adversaire, et que vous vous êtes connecté en diagonale. D'ailleurs, juste avant des deux, c'était un peu la même situation. Deux pierres ici, après en diagonale, deux pierres, en diagonale, il y avait deux pierres. Il faut faire attention à ça. Donc là, il va là, et je dois aller ici. Parce que si je réponds K12, il fait sa séquence L10, puis ici. Et il était vivant. Donc je ne peux pas me permettre. On va ici, et là on voit que soit je coupe là, soit je coupe là. Et de toute manière, ici, est-ce qu'il arriverait à faire un deuxième œil par là? C'est pas évident du tout. Donc... Atari, on répond bien sûr, sinon s'il capture ces deux pierres là, il ressuscite tout. Et il s'en va. Après ici on a un œil là, on a un deuxième, on a un troisième, quatrième, cinquième, donc on n'a pas de souci. Et avec ses pierres, est-ce qu'il veut faire un deuxième œil? Ok, il veut peut-être menacer de couper ou de jouer par là. Donc on va protéger de manière un peu abusive, mais on va tout simplement jouer dans sa forme. On remarque que s'il joue avec son L15, M15 et L13, s'il joue ici, ça ferait la forme de la table.
Donc on lui empêche de faire la belle forme en y jouant. Il joue ici, il a toujours qu'un œil. Au pire, il peut nous mettre Atari. Atari, ça pose pas de problème. Donc on va ignorer. Et on va aller en... Bon, il n'y a que des coups gotés, j'ai l'impression. On va voir comment il réagit dans ce coin. Ce que je vois aussi, c'est C3, ça marche toujours en soi. Parce que s'il pousse en C2, je capture les 4 pierres. On recule en B3, on a 2 libertés et lui plus qu'une. Donc on gagne le CMA, il a course aux libertés. Et si du coup, il nous pousserait de l'autre côté en B3, on recule. Et oui, certes, il va nous capturer en B2, les 2 pierres. Mais nous, on réagit par un Atari en E1. On aura 2 pierres là, hein, n'oubliez pas. S'il protège, on capture tout. Donc il est obligé de capturer les 2 pierres et nous on prend ça. J'ai de ce côté. Ici, il aurait dû mourir. Attention, il devait protéger, puisque là, si j'avançais, il pouvait mourir. Là, il est obligé de revenir en R19, s'il veut vivre. Ensuite, je vais en S13. Il va ici et il est vivant. Là, j'ai été gentil, on va dire. Mais le but, c'est pas de tout tuer. Je pense que là, dans la partie, on aura réussi à ressortir quelques bonnes idées, un petit cours sympa. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu. Et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous êtes encore là à ce moment-là, les vidéos, ceux qui sont pas abonnés. Ça aide beaucoup vraiment la chaîne. Merci. Et là, il sait pas trop où jouer, je pense, oui. Et c'est pas évident de savoir où jouer. Je pense qu'il cherche absolument un deuxième œil. Et il n'y a pas de deuxième œil, malheureusement pour lui. Et heureusement pour moi. Parce que s'il fait vivre ça, en fait, on pourrait se dire, ah oui, il fait 2 points. Mais en fait, à chaque endroit où il y a une pierre blanche, moi, c'est 2 points. Parce que j'ai la pierre blanche capturée qui sera mise dans le territoire de l'adversaire, juste l'espace qui se crée au-dessous. Donc en fait, ce territoire-là, il faut l'imaginer 2 fois plus gros. Quasiment. Je pense qu'il va perdre par le temps, là, il sait plus trop. Peut-être que c'est intentionnel même. Oui. Voilà. On a gagné par le temps, mais je pense qu'on était bien devant, effectivement. On est devant de 126, ok. Oui. Donc il a beaucoup aimé les territoires, mais par contre il a ignoré le fait que l'adversaire prenait énormément de force à ce moment-là. Dans la partie, il y a 2 principes quand même, c'est... la balance des territoires, et lui il maîtrise ça, il veut beaucoup de territoires, mais il y a la balance des forces qu'il faut prendre en compte également. Et Noir a pris beaucoup de forces tout le long de la partie, qui n'ont pas fait de point directement, effectivement. Donc là on a de la force, on est bien connecté et tout, c'est très dur de couper. Imaginons blanc, comment on fait ça? Hop. Je vais vous mettre ça ici. Imaginons blanc coupe, il y a un guetta, une forme de guetta encore. Si blanc essaie de sortir, il peut pas. Il essaie de sortir, il peut pas. Donc en fait, à chaque fois, on est assez solide. On a des murs qui ne peuvent pas être coupés. Et il faut être patient. Parce que ces forces vont nous servir plus tard dans la partie. Et là, on l'a bien vu, en fait. Il a complètement délaissé ce groupe. Et au début, le plan, c'était pas forcément le tuer. Mais on a gagné tellement de force que c'est devenu envisageable. Et oui, la forme en haut ici, là je vous disais, je pouvais très certainement, je vais vous remettre ça, à ce moment-là, couper. S'il fait atterrir de ce côté, on descend là. Il peut plus sauver ses 2 pierres. Il n'y a plus qu'une seule liberté contre 2. Donc il pousse, on capture. Et ensuite, il faut revenir vivre. Donc ça aurait été très gros pour moi. Et ensuite, est-ce qu'il reste d'autres choses à voir? Oui, ici, je dois... J'ai suivi ici, mais en fait, si votre adversaire fait l'erreur d'aller en A16, normalement, il faut jouer en B17, protéger ici. D'ailleurs, ici, j'ai sauté. Je sais pas trop pourquoi j'ai suivi. J'étais en mode, je vais développer tout ça, mais j'ai fait une erreur. Et j'aurais dû jouer solidement ici. Sachant que j'ai déjà 2 points de coupe, je laisse mes points de coupe, c'est pas bien. Si je vais en C14, ce point de coupe n'existe plus, parce que la gueule de tigre ne permet pas de jouer en C15. On se ferait capturer directement. Donc, il n'y a qu'un seul point de coupe. Ça m'aurait évité... les difficultés que j'ai rencontrées plus tard.
Là, effectivement, ces difficultés-là. Je vais vous montrer ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce que je peux pas capturer cette pierre? En fait, si je fais taille, et qu'il y va, et que j'essaye par exemple le chichou, il monte, on va là, il va ici. Et si je protège mes pierres, parce que ces 5 pierres-là sont en atterri, en bas, il n'y a plus liberté, à droite, il n'y en a plus, à gauche, il n'y en a plus, en haut, oh, il y en a une ici. On protège? Oui, mais ces pierres-là ne sont pas capturées. Donc, on se fait tout capturer. Donc c'est dramatique. On ne peut pas. Et si je pousse, imaginons ici, je peux essayer de défendre comme ça par exemple. Mais il vient capturer mes deux pierres. Si j'essaie de fuir, il capture. Donc c'est pas possible. Et si j'essaye de protéger comme ça par exemple, il met en atterri cette pierre. Si j'essaie de fuir, il capture. Et même histoire, je peux pas fuir comme ça. Donc on protégerait cette pierre. Mais il vient ici. Et là on voit, même si on tente de couper parce qu'il a trop liberté, on en a que deux nous. Si on coupe, atterri. Et on peut même pas jouer là parce que le suicide est interdit. On retirerait notre dernière liberté. On peut juste essayer de capturer 10 par exemple, mais il capture. Et c'est un drame. Donc, dans ces situations-là, si vous parvenez à lire ce qui se passera si vous faites atterri, bien sûr, il y a cet atterri aussi où il capture tout simplement, il vaut mieux ne pas capturer. Il vaut mieux pas toucher. Ici, même mon meilleur coup, j'ai joué, il me semble que j'ai joué le Nobby ici. Non, j'ai d'abord protégé, puis joué le Nobby, d'accord, oui, logique. Je pense qu'à la place de ce Nobby, je dois capturer les pierres. Et comme ça, on n'en parle plus dans la partie. Parce que, effectivement, Mathieu Delizotti, en fait, j'utilise ces termes, il dit souvent que quand on a un chichot, et même si on peut prendre la pierre, si c'est bon, le calcul marche, c'est laissé en suspens. À n'importe quel moment, d'ailleurs, tout à l'heure, il a joué les 10. L'adversaire pourra jouer par là, et ça aidera peut-être pour deux situations à la fois. Ce chichot et un autre groupe, celui-là en l'occurrence. Donc, c'est une dette à payer, autant la capturer direct. C'est assez gros. Ça fera pas, de toute façon, ça rayonnera, ce groupe. Donc ça ira. Je regarde s'il y a autre chose à dire dans cette partie. On a dit beaucoup, hein, déjà, ici. Je pense que c'est tout. Donc voilà. N'hésitez pas à aimer la vidéo encore une fois si ça vous a plu. À vous abonner à la chaîne. Ça soutient vraiment énormément ma chaîne, tout simplement. Merci. Je sais pas trop comment dire. Et n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Si ça c'était mieux que la dernière fois. S'il y a encore des choses à améliorer. On essaie de faire mieux à chaque fois. Ça, les miniatures, les titres, tout ça, etc. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau stream de Go. On le fera plutôt dans le début d'après-midi cette fois-ci, puisque je ne peux pas le soir. Donc voilà, exceptionnellement. Allez, salut !